faire quelque chose. C'est donc inquiet, très inquiet, mais avec un optimisme chevillé au corps, que je suis heureux de vous accueillir au Havre, et dans une ville qui a l'habitude, si j'ose dire, de s'effondrer et de repartir. Mesdames et messieurs, bienvenue au Havre. The message is that if the ocean dies, we die. Je pense que vous avez eu raison de consacrer votre réunion, en tout cas une partie de votre réunion de cette année, à cette question, car au sens propre, elle est vitale, en ce sens qu'elle détermine notre vie sur cette planète. À nous de nous organiser avec Internet, avec des réseaux. Il faut qu'on arrive à faire bouger les choses, et pas dans 20 ans, le plus vite possible. Nous tous, nous devons avoir une prise de conscience pour faire ce que nous pouvons dans nos responsabilités, mais en n'oubliant pas qu'on peut toujours faire quelque chose en plus. Mais nous, citoyens, nous avons aussi notre part. Et il me semble, c'est pas il me semble, il est certain, l'économie circulaire ne réussira que si nous commençons à partager, si nous commençons à retrouver cette richesse qui est le lien entre les uns et les autres. C'est une bataille sans fin que nous n'avons pas encore perdue, mais que nous n'avons pas gagnée. Pour que le monde soit meilleur, on va avoir une année d'ici à 2016 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages dans le ciel. C'est à nous à faire en sorte que nous tirions au bénéfice des rayons de soleil. Notre contrôle est limité, éphémère, souvent illusoire. Et on néglige constamment la façon dont on traduit les conditions extérieures en bien-être ou en mal-être. En France, on a tendance à s'amuser, à se plaindre beaucoup, mais à pas assez faire ressortir toutes ces choses qui sont déjà faites. Et franchement, je trouve ça hyper cool d'être ici pour ça. Le message, c'est surtout de leur dire, croyez en vous, même si vous avez un rêve qui paraît impossible, donnez-vous les moyens d'y arriver, quoi qu'il arrive.